cette fois je vous tiens, misérable petit nabot bleu. Dépêche-toi, ce trou de maladroit. Oui. Cette fois-ci, vous ne m'échapperez pas. Attention à la racine. Attention. Repensez-moi tout de suite. Je trouve. Silence. Je préfère manger en silence. Manger? Oh non, pas trop. Je peux pas supporter le spectacle. Non, je suis trop jeune pour schtroumpfer. La première bouchée est toujours la meilleure. Allez, viens vite. Stormkeeper. Merci, Schtroumpf-bricoleur. Tu m'as schtroumpfé la vie. Je te promets que je saurai m'en souvenir. Oh non, je t'en prie, on te schtroumpf. Il est normal qu'on se schtroumpfe des services. Bon, je te schtroumpfe à demain. Oui, faut que je trouve un moyen de le remercier. Je lui dois bien ça. Ben, qu'est-ce que tu viens faire, là? Un schtroumpf, ton petit déjeuner au lit. Je te dois bien ça, tout de même. Oh, c'est pas une raison de te créer tous ces problèmes. Ah, c'est pas un problème. T'inquiète pas, repose-toi et moi je m'occuperai de tout. Oh là, petit déjeuner et schtroumpfé. Oh, merci, schtroumpf maladroit. Attends, mets d'abord une serviette. Voilà. Oh ben, c'est très bien, comme ça je trouve maladroit, mais je ne petit déjeune jamais, de toute manière. Eh ben tant mieux, moi je vais te préparer un énorme déjeuner. Ah non, énorme, je te remercie, non, je n'aurai pas le temps de déjeuner, j'ai vraiment beaucoup de travail aujourd'hui, alors. T'as beaucoup de travail? Bon, eh ben je vais te schtroumpfer un coup de main, je te dois bien ça, alors. Par quoi je commence? Eh ben, si tu commençais par me regarder. Ah mais bien sûr. Hé, hey, je trompe maladroit. Tu pourrais pas regarder ailleurs, hein? Ah oui, si, bien sûr. Je sais, tu pourrais aussi m'apporter des vis qui sont sur mon établi. Ah oui, si, bien sûr. Je vais chercher des vis qui sont sur son établi. Ouais, et voilà les vis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que j'ai récupéré les vis juste à temps. Parfait, schtroumpf maladroit, tu ponces cette planche de bois pendant que moi je travaille sur un nouvel épouvantail pour le schtroumpf paysan. Ça devrait le schtroumpfer de faire des bêtises, non? Schtroumpf bricoleur, ça suffit comme ça. Continue de penser. Non, mais ça suffit comme ça. Continue de penser. Schtroumpf bricoleur. Continue de penser, schtroumpf maladroit. Non, mais ça suffit comme ça, hein. Continue de penser. Maladroit! Je suis là! Le schtroumpf bricoleur! Ça suffit comme ça maintenant! Schtroumpf paysan, ça y est, voilà ton nouvel épouvantail auto-schtroumpfant! Je l'ai aidé à le fabriquer. Il y a un petit caillou coincé dans la roue. Et je vais réparer ça en un schtroumpf d'œil. Non, laisse! Non mais oh, ça me dérange pas, hein! Mais je te dois bien ça tout de même! Oh, il faut absolument l'arrêter! Il fonce tout droit vers le village. Oh! Attention! Je trouve qu'il peut! Ah! Moi, j'aime pas les épouvantails qui passent. Oui, il faut absolument les schtroumpfer. Allons-y, je vais Ah, je l'ai! Moi aussi! C'était les schtroumpfs qui croyaient schtroumpfs, hein? Oh là là! Ouais, j'aime pas les oh là là! Il est vraiment merveilleux ton épouvantail! Il n'y a pas un seul corbeau à l'horizon! Bon, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant? Rien du tout, ne m'aide plus, s'il te plaît! Mais non, mais si, tu m'as sauvé la vie! Moi, je te. J'en aurais fait autant pour n'importe quel schtroumpf, alors n'en parlons plus, hein, d'accord? Hein? Eh ben, d'accord!
Schtroumpf maladroit! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore des vis? Tu veux que je t'aide à poncer? Tu voudrais pas me ramasser un peu de bois? Ah oui, bien sûr, je te vois bien ça, moi, tu m'as sauvé. Je pourrais jamais me débarrasser de lui. Il n'y a qu'un seul schtroumpf assez intelligent pour résoudre ses problèmes sans heurter la susceptibilité du schtroumpf maladroit. Merci infiniment de ce qualificatif qui me schtroumpfera, n'est-ce pas? Pour ma part, je préconiserais plutôt une thérapie. Je parlais du grand schtroumpf! Nous allons monter un scénario pour faire croire au schtroumpf maladroit que le schtroumpf bricoleur est en danger. Le schtroumpf bricoleur criera au secours et c'est le schtroumpf maladroit qui le sauvera. Ah, oh, c'est une bonne idée. C'est exactement la solution que je préconisais. J'ai toujours dit que les grands esprits se rencontrent un jour. Malheureusement, les génies ne sont jamais reconnus de leur vivant, n'est-ce pas? Tu es prêt, schtroumpf bricoleur? Tu es prêt, schtroumpf fouette, on fait un essai. Ça schtroumpf à merveille. Alors, on est paré. Très bien, appelle schtroumpf maladroit. Au secours! Au secours! Et si schtroumpf bricoleur, pas de panique, schtroumpf bricoleur, j'arrive! Au secours! Attention, le voilà! Oh non, il a pris la mauvaise schtroumpf! Ah, ça y est, le voilà! Oh non, il est reparti! Attendez, oui, le revoilà! Au secours! Où est le schtroumpf bricoleur? Il est là, il est pris au piège sous ce tronc d'arbre! Oh, bah, nous, on l'a pas là! Oh, bah! T'inquiète pas, schtroumpf bricoleur, j'avais deux schtroumpfs faits de là sans problème! Chouette! Comment ça? La corde! Oh, si seulement un schtroumpf pouvait tirer sur la corde! Oh, oui! Un schtroumpf costaud comme le schtroumpf maladroit pourrait tirer sur la corde. La corde? Oh là là, la corde! Attends! Non, attention! Oh, schtroumpf bricoleur, ça fait deux fois que tu me sauves la vie. Maintenant, j'ai deux dettes envers toi, mon brave ami. Oh non! Oh, j'espère que ça va se tromper cette fois, grand schtroumpf. Attention, le voilà, faites. Oh, c'est cool. Oh, je vois. T'inquiète pas, schtroumpf bricoleur, je suis là. Oh, si seulement on m'avait appris à nager. Et tu pourrais peut-être prendre la barque. Mais bien sûr, il y a la barque. Enfin, si seulement on m'avait appris à ramer. Oh, c'est très facile, on va t'aider. Accroche-toi, schtroumpf bricoleur. Oh, je me ligue. Non, non, pas si vite, je trouve maladroit, ralentis. Oh, vise à attraper la corde. Accroche-toi, je trouve maladroit, accroche-toi, comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Je trouve bricoleur, tu m'as encore sauvé la vie, c'est merveilleux, j'ai l'impression de rêver tout éveillé. Oh, ben, pour moi, ce serait plutôt un cauchemar. J'ai la solution, j'ai trouvé le moyen pour le schtroumpf maladroit de s'acquitter de ses dettes. Un faux monstre va capturer le schtroumpf bricoleur et tout ce que le schtroumpf maladroit aura à faire, ce sera de l'effrayer. Oui, un faux monstre, on pourrait utiliser l'épouvantail. Le grand schtroumpf a toujours une solution, tu n'est-ce pas? Oh, mais c'est effrayant. Certes, mais ça devrait schtroumpfer l'affaire. Cet axe a besoin d'être un peu mieux fixé. Je prends un caillou, ce sera plus facile. Hé, ouais, attention! Voilà notre affreux monstre! Ça, il n'est vraiment pas beau, ça? Non, schtroumpf! Le schtroumpf bricoleur vous attend par là! Magnifique, ce monstre, grand schtroumpf! Il est schtroumpfement réussi, je veux dire! Moi, j'aime pas les monstres! Moi, j'aime pas les... Ah, ils ont fait un travail fondage schtroumpf à partir de mon épouvantail. Vous êtes superbes, les schtroumpfs. Au secours, schtroumpf maladroit. C'est incroyable, on croirait vraiment entendre un monstre. Oh, mais tu me sers comme un vrai monstre. Le grand schtroumpf avait déjà eu de bonnes idées, mais celle-là les dépasse toutes. Hé, attention, rapportez-moi ça. Hé, une minute, c'est pas de la mousse.
Non mais c'est pas un épouvantail, c'est un vrai monstre. Oh, au secours, au secours. Surprise, Schtroumpf. Le Schtroumpf bricoleur a été capturé par un vrai monstre. C'est méchant. Lâche le Schtroumpf bricoleur tout de suite, ouais. Oui, et plus vite que cela. Parce que le grand Schtroumpf dit toujours qu'il est vain. Pas de panique, Schtroumpf bricoleur. J'arrive. Tu peux schtroumpfer sur moi. Attention devant. Merci, Schtroumpf maladroit, tu m'as sauvé la vie. Oui. Maintenant, je crois que nous sommes quittes. Mais oui, absolument, et je tiens à dire que je suis fier de vous deux. Absolument pas, grand Schtroumpf. Hein? Moi, après avoir longuement réfléchi, je pense que le Schtroumpf bricoleur a une dette envers le Schtroumpf maladroit, n'est-ce pas? Parce que le Schtroumpf bricoleur devait quelque chose au Schtroumpf... Ah! Dans le fond, je me demande pourquoi je parle bien seul de mes coups de l'homme.